Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, on va travailler tout particulièrement nos fessiers. Pour ça, vous aurez besoin de votre tapis, d'un petit peu d'eau, d'une tenue souple près du corps, éventuellement de chaussettes antidérapantes ou alors pieds nus, et de notre petit élastique. Je vous invite aussi à faire une petite séance d'échauffement que vous trouverez sur ma chaîne. Et ensuite, on débutera. Allez, donc on va prendre notre élastique, on va passer les jambes à l'intérieur. Vous voyez, je le mets un petit peu au-dessus des genoux, au niveau des cuisses, et je viens m'allonger sur le dos. Je rentre le ventre, je plaque bien les bras le long du corps. Petite bascule du bassin en rentrant le ventre. Je monte. Je serre bien mes fessiers. J'en fais 5. Gainez le dos. 4. Encore, on serre bien les fessiers à fond. 3. 2. Et le dernier, un, ici, quand on est là, on va écarter nos genoux, on va se retrouver sur la tranche externe des pieds de façon à bien solliciter nos fessiers. On en a pour 5, 4, creusez le ventre, 3, on essaye de garder les fesses au même niveau, 2 et 1, super. On descend un petit peu et on resserre les fessiers, en même temps on tire un petit peu avec les cuisses, on demande d'écarter un petit peu les pieds, allez. 4, 3, 2, ancrez bien les pieds dans le tapis, 1, et on est reparti pour écarter les genoux, pour 5, 4, essayez de garder la fesse à la même hauteur, 3, 2, et 1, et encore, je descends, 5, 4, 3, aidez-vous en plaquant les bras, 2, gainez le haut du dos, 1, et encore un dernier, 5, 4, 3, 2, et 1, et les 5 derniers, 5, 4, normalement ça doit commencer un petit peu à brûler déjà, 3, 2, et 1, super, allez on relâche, on peut tirer un petit peu les genoux vers soi, on va réutiliser l'élastique, donc on n'enlève pas. Allez, parfait. Donc, cette fois-ci, je vais le placer au niveau des chevilles. Je plaque mes bras et j'expire, je tends, je presse. Donc, vous voyez, vraiment vers le haut. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je tends et je pousse mes jambes vers l'extérieur. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je tends. Hop. J'essaye d'écarter mes jambes, en fait. J'ouvre. Et j'inspire, je ramène. Plus que 5. 4. Creusez le ventre. 3. On cherche à garder le dos neutre, c'est-à-dire 2. Notre courbure normale. Et 1. On peut relâcher. Super. Genou poitrine un instant. Ok, parfait. Ensuite, je le place au-dessus des genoux. Main croisée derrière la tête. Coude ouvert. J'allonge mon dos tant que je suis au tapis. Et à l'expiration, je cherche la longueur dans le dos et je soulève. On creuse le ventre à fond. On expire, on tend. On inspire, on ramène. J'expire, je tends mes jambes. Pareil, je cherche à les écarter. Et j'inspire, je ramène. On n'en fait pas beaucoup. On s'applique. Allez, plus que 5. 4. 3. Tendez pieds pointes. Et 1. Parfait, super. On repose. Cette fois-ci, on va placer l'élastique au niveau des pieds, vraiment sous les pieds. Donc, on se rhabille, main derrière la tête. À l'expiration, pareil, j'étire mon dos, j'ai mes jambes en chaise renversée et sur l'expire, je soulève mon buste. J'expire, je tends une jambe en pied flex et j'inspire, je ramène. Je tends l'autre. Pied flex. Et j'inspire, je ramène. Je tends l'autre. Pied flex. J'inspire, je ramène. Essayez de garder le buste soulevé. On creuse le ventre. Comme pour chaque séance de pilates, de toute façon, on travaille nos abdominaux en engageant notre centre. Pied flex. Encore. Creusez bien le ventre. Pied flex. Et le dernier.
Et super. Allez, on relâche. Nickel. On le garde au niveau des pieds, cet élastique. On remet nos mains derrière la tête. On lève le buste. On tend. Et en pied flex, on va écarter pour 5. 4. On essaye de serrer les fessiers à fond, creuse le ventre. 3. 2. 1. Et encore un dernier. 5. 4. 3. 2. Et 1. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Super. Allez, on peut le poser à côté de soi. On le pose. On tire les genoux. On va pouvoir étirer nos jambes le long du sol. Vous pouvez commencer par les secouer un petit peu pour les détendre. On peut étirer les bras derrière nous. On creuse le ventre, on étire le dos. Respirez. Et parfait, super. Ok, allez, on va ramener les bras le long du corps, main sous les genoux. Petite impulsion. Et on va faire quelques roulades pour masser un petit peu notre dos. Donc on peut tout à fait prendre l'élastique, passer les jambes à l'intérieur. Donc au niveau des chevilles, comme ça on engage nos fessiers. J'inspire et j'expire, je reviens. J'essaye de garder la position de départ. Dos rond, ventre rentré. Je gaine mon dos, j'inspire. Et je souffle pour revenir. Allez, encore un petit peu. Je roule. Je reviens, comme ça on masse un petit peu notre dos en même temps. On travaille tous nos muscles posturaux en essayant de revenir vraiment en équilibre. Et une dernière. Et nickel, parfait. Allez, cette fois-ci on va le remonter au niveau des cuisses, au niveau des genoux. On va se mettre sur le côté, je me mets en appui sur mon avant-bras. Hop. Donc vous voyez cette fois-ci les genoux au niveau de mon tapis, il faut que le coude soit sous l'épaule, pas en avant, pas en arrière, sous l'épaule, bout des doigts au bord du tapis, ça me fait un bon repère aussi. Et je vais ouvrir ici, donc vous voyez mes pieds sont joints, et je redescends, je relâche complètement. 10, 9, on engage bien le fessier, 8, on reste redressé ici, bien droit, 7, on creuse le ventre, 6, essaye de serrer ici. 5. On respire. 4. 3. 2. Et 1. Ok, parfait. Ensuite, je vais tendre ma jambe vers l'avant et je repars en flex. Je vais vers l'avant-pointe. 2. Et je repars en flex. 3, 4, on essaye de stabiliser le buste, 5, 6, 7, en flex pour partir, 8, en pointe pour aller vers l'avant, 9, et 10, super, on garde tendu et on va faire des petits cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On peut relâcher. Et on va recommencer. Donc, hop, j'ai toujours mes pieds l'un sur l'autre. Et c'est reparti. 10, 9, je creuse mon ventre. 8, 7, gardez ici. 6, redressez. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, pointe vers l'avant, flex vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de garder la jambe parallèle au sol. 7, 8, 9 et 10. Super. Et ensuite, les deux petits cercles pour terminer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On relâche, parfait. Allez, on se redresse, ça a dû chauffer aussi un petit peu dans les épaules. Allez, on étire. On va pencher sur le côté doucement. En rentrant le ventre. Encore. Et parfait, super. Allez, on fera l'autre côté juste après. Avant, on va passer à quatre pattes ici. Donc, toujours l'élastique au-dessus des genoux. Je le place bien. Poignet sous les épaules. Genoux sous les hanches. Et je vais étirer ma jambe derrière moi. Et on est parti. On ramène et on tend. 10, 9, 8, creusez le ventre, stabilisez le dos. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Ensuite, cercle. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On repose, on va faire la même chose de l'autre côté. 10, serrez bien le fessier à chaque fois. 9, essayez de stabiliser le dos. 8, 7, 6, on creuse le ventre. 5, 4, 3, 2 et 1, et pareil, 10 cercles, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, parfait. Allez, on repart, on est reparti, on va refaire la même chose et ajouter un exercice à la suite. Donc on retend, 10. 9, gainez le dos. 8, si ça brûle, c'est normal. 7, creusez le ventre. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Cercle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, pour le dernier, on va venir toucher à l'extérieur et de l'autre côté. 1, 2, on en fait 10 aussi. 3, stabilisez le buste. 4, le fessier de la jambe d'appui brûle aussi. 5, c'est normal. 6, 7, gainez le dos. 8, allez, on a presque fini. 9 et 10, super, on repose, il nous reste l'autre jambe à faire, après on se reposera un petit peu, donc on tend la jambe, 10, 9, gainez le dos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, cercle, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite le dernier, côté, côté. 1, 2, on vient toucher le sol. 3, c'est bien. 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, super. Allez, on relâche. On va ramener nos fesses sur nos talons. On étire le dos. On respire profondément. Respirez. Allez, on se relaxe un instant. Cette posture permet de récupérer aussi. On essaie vraiment de poser le front au sol. Si vous ne pouvez pas, mettez un livre, un coussin, une brique de yoga sous le front.
Si ça fait mal au niveau des genoux, vous pouvez essayer de mettre sous les genoux une petite couverture, enfin entre les genoux, entre les mollets pardon, et les ischios. Allez, on se redresse doucement. Une vertèbre après l'autre. On va pouvoir enlever notre élastique. Je suis coincée un instant. On va le reprendre après pour terminer les côtés. En attendant, on va se faire quelques dos du chat, dos du chien. Donc, je creuse mon ventre. Je courbe mon dos. J'inspire, je viens en neutre. Et j'expire, je pousse mon ventre vers le sol. Dos courbé. N'hésitez pas à pousser les fesses vers l'arrière si vous trouvez que ça fait du bien aux lombaires. On inspire et on expire, on courbe. Ok. Et ensuite, on va se mettre sur les pointes de pied. On va monter les fesses vers le ciel. On pousse le buste vers les cuisses. Donc les fesses vers le haut et vers l'arrière. On pousse le buste vers les cuisses. On relâche bien la tête. On peut essayer de poser les talons doucement, les rapprocher du tapis. Et ensuite, on va alterner. Je plie un petit peu mon genou droit, puis mon genou gauche. Si on glisse avec les mains, on peut agripper les bords du tapis avec nos mains. Creuser le ventre. Ok, on sent l'étirement à l'arrière de la jambe. Et parfait. Allez, on relâche. Fesses sur les talons. Étirez un petit peu le dos. Ok. On revient doucement. On déroule une vertèbre après l'autre. Et on va pouvoir finir le travail de l'autre côté. Donc, on va reprendre notre élastique. Il faut se rappeler de quel côté on avait commencé. On met les jambes à l'intérieur. Donc on avait trois petits exercices qu'on va faire deux fois. On est en appui ici sur l'avant-bras. On rentre le ventre. Les genoux étaient rebord du tapis. Bout des doigts, rebord du tapis aussi. Et on va commencer par celui-ci. Donc 10. On creuse le ventre. 9. 8. Les pieds se touchent. 7. Essayez d'engager le fessier à fond à chaque fois que vous ouvrez. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Ensuite, on va pointe vers l'avant, flex vers l'arrière pour 10, 9, 8. Essayez de stabiliser le buste. 7. On essaie de garder la jambe. 6. Parallèle au sol. 5. 4. 3. Creusez le ventre. 2. On se redresse toujours ici. Et 1. Ok. Ensuite, on étire et des petits cercles. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Parfait. Allez, on relâche un instant. On remet les genoux l'un sur l'autre. Si besoin, on replace un petit peu le cercle. On se replace, pieds l'un sur l'autre aussi. On est reparti pour la dernière série. 10, 9, 8. Creusez le ventre, gainez le dos. 7, 6, 5, 4, 3. 2, allez, courage. 1, on étire pointe, on repart en flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, et les 10 petits cercles, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça brûle, super. Allez, on relâche. On masse un petit peu si besoin. Et on va se redresser. C'est bien, on a bien travaillé. Donc, on joint les mains
on étire sur le côté. On étire, rentrez le ventre. On revient, on réétire. Et parfait, super. Allez, on peut enlever l'élastique. Donc on va s'asseoir au bout du tapis. Ok, ici je croise mes jambes, je tends mes bras, hop, je vais chercher vers l'avant. On allonge le dos, on respire profondément. On tient la position, essayez de garder les fesses au sol. Et on revient, on change le croisement des jambes. Donc par exemple là j'avais ma cheville droite sous ma gauche, et bien je passe ma cheville droite sur ma cheville gauche. Et pareil, j'étire, j'étire, j'étire ici. J'allonge le dos. Ok, parfait, super. Allez, je reviens. J'ai quasiment fini. Donc, je me mets dos au tapis. Je fais genou poitrine. Je masse un petit peu mon dos. Je vais garder mes deux mains sur mon genou droit, j'appuie bien dessus, paume basse, ventre rentré. Je respire profondément. Et je change de jambe. L'autre, les deux mains sur l'autre genou. Ok, parfait. On va pouvoir relâcher. On étire les bras derrière nous, les jambes devant. On étire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On étire tout le corps, les abdominaux, le dos, les jambes. Ok, parfait. Et on va ramener les mains sous les genoux. On va faire une petite impulsion. Et on revient s'asseoir sur le tapis. Parfait. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de la partager avec vos amis, votre famille, qui vous voudrez. Et aussi à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !